بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, dans les émissions passées, nous avons parlé de la zakat et le valet imposable des zakat et à qui qu'il fallait donner la zakat. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, à une partie de ce même thème qu'on appelle zakatul fitr et nous allons essayer, incha'Allah, de vous définir et ce zakat lorsqu'il s'agit de zakatul fitr. Donc, mes chers professeurs, il faut comprendre que zakatul fitr, par définition, ce n'est rien d'autre que c'est un zakat en aumône que le musulman, celui qui a jeûné pendant les 30 jours, puisse donner, et soit même celui qui n'a pas jeûné. Aussi, mes chers professeurs, à la rupture, la personne qui réunisse les conditions requises, soit réellement qu'il puisse s'acquitter de ce zakat al-fitr, dont la qualité de la rubrique seront expliquées ultérieurement. Nous allons essayer de vous expliquer. Il s'agit de combien de zakat al-fitr qu'il faut donner, et c'est pour tous les musulmans, pendant ceux qui ont trouvé le jeûne, et puissent donner la zakat al-fitr. Incha'Allah, mes chers frères et sœurs, sont dans l'obligation de payer des musulmans les zakat al-fitr, la personne qui la veille a fait rupture et remplisse les critères suivants. À la veille de la rupture, après le jeûne du mois de Ramadan, le même jour que nous sommes prêts, la nuit, que nous sommes prêts le lendemain de fêter, de faire la fête de la rupture, donc il est demandé à partir de ce jour-là, la veille de la fête, de commencer à donner la zakat, à s'acquitter de la zakat al-fitr. Alors, les personnes qui sont intéressées par ce zakat-là, ce n'est rien d'autre que les personnes, il faut que cette personne soit majeur, ça veut dire qu'il atteint l'âge de la puberté et islamique. Et nous avons cela aussi, et être sain d'esprit, il n'est pas aussi fou, il n'a pas aussi une maladie mentale qui puisse le déranger, mais il est sain en esprit, donc il est demandé aussi à celui-là, c'est la deuxième condition. La troisième condition n'est pas être esclave de l'autrui. Si vous êtes esclave de l'autrui, ça veut dire que vous n'êtes pas libre de donner la zakat comme vous voulez, il faut l'autorisation de votre seigneur, celui qui est votre propriétaire, afin que vous puissiez vous acquitter de la zakat. Et la zakat aussi, ce n'est pas obligé pour vous de faire la zakat tant que vous êtes esclave. Nous avons aussi, mes chers frères, ne pas être pauvre, parce que la pauvreté ici n'a pas sa place lorsqu'on veut parler de la zakat. Il faudrait que quelqu'un ait les moyens pour qu'il puisse réellement donner la zakat. Et ici, le pauvre n'a pas de moyens. En fait, celui qui doit recevoir la zakat, il ne doit pas donner la zakat. Et ce point aussi est très important. Ne pas être à la charge de l'autrui. Si vous êtes dépendant d'une autre personne, alors il n'est pas demandé, mes chers frères et sœurs, de faire la zakat al-fitr, de donner la zakat al-fitr. C'est celui-là même auquel vous dépendez qui doit donner votre zakat al-fitr à votre place. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair lorsqu'on parle de zakat al-fitr, il y a ces conditions qui sont devant nous que nous devons essayer de respecter et intégralement et ces conditions avant de donner la zakat al-fitr. Donc, toute personne remplissant les critères ci-dessous, c'est que nous avons essayé de dire vraiment tenir à donner la zakat al-fitr, mes chers frères et sœurs, ainsi que celles et tous ceux qui ont été
à peu près dans ce cadre-là, la chair jusqu'à la crépuscule. Ce n'est pas seulement celui qui remplit ces conditions, eux aussi suit des gens qui sont à notre charge jusqu'au coucher du soleil, au crépuscule. Il est demandé de donner la zakat de ces personnes à leur place, mes chers frères et sœurs, et il se peut, avant le coucher du soleil, quelqu'un, un étranger, puisse tomber sur vous. Oui, vous devez donner cette zakat al-fitr. Un enfant qui est né avant le coucher du soleil, vous devez donner la zakat al-fitr de cet enfant-là. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair. Alors, la qualité qui est demandée pendant la zakat al-fitr n'est rien d'autre que, mes chers frères et sœurs, que 3 kilos. Et moins que 3 kilos, mais ça a été arrondi et aussi à 3 kilos. La zakat al-fitr peut être constituée, ça peut être le blé, l'or, la datte, le raisin, le riz, et aussi, mes chers frères, c'est du lait, etc. Tout ce qui est consommable, que les gens peuvent consommer ou consomment réellement, quotidiennement, et on peut donner la zakat al-fitr avec ces choses-là. Donc, mes chers frères et sœurs, concernant l'obligation de s'acquitter de la zakat al-fitr entre en vigueur à la veille de la fête, c'est-à-dire la fête, la nuit de la fête au jour de la fête, il est demandé alors, à partir de ce jour, de s'acquitter de la zakat jusqu'au midi du jour de la fête, mes chers frères et sœurs, et c'est ce qui est plus demandé. Et la zakat al-fitr est payable depuis la veille jusqu'au mi-journée, c'est-à-dire midi, c'est-à-dire que la fête de la rupture. Et le jour de la fête, on peut essayer de s'acquitter de la zakat al-fitr jusqu'à midi. Mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions aussi faire attention et de payer la zakat al-fitr le jour même de la fête, avant la prière, qu'on y prendra tout. Il est bon, on peut encore plus recommander de plus de donner la zakat al-fitr avant la fête, c'est-à-dire Eid al-fitr, avant la prière de Eid al-fitr. Il faut donner aussi la zakat au matin avant la prière de la fête, mes chers frères et sœurs, et c'est ce qui est essentiellement demandé. La destination de la zakat al-fitr est de même que la zakat que nous avons essayé de parler, l'aumône obligatoire, la zakat obligatoire, les mêmes destinations. On a parlé des pauvres, on a parlé de celui des voyageurs, on a parlé de tous, à peu près 7 personnes que nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, ce sont ces mêmes personnes qui doivent recevoir aussi la zakat al-fitr dans les mêmes dimensions. La disposition relative à la zakat al-fitr, nous avons des dispositions importantes pour la zakat al-fitr. Étant pauvre, quiconque n'a ni revenu ni travail nous permettant d'assurer les dépenses annuelles dues à son entretien que l'entretien de sa famille, zakat al-fitr n'est pas obligatoire pour lui. Celui qui n'arrive pas à entretenir pendant une année, il n'a pas la nourriture de sa famille pendant une année, il ne peut pas se prendre en charge pendant une année, pour lui, la zakat al-fitr n'est pas obligée. Donc, c'est tout à fait clair, n'est pas obligée. S'il le fait par une bonne intention, oui, ça sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce cadre-là, pour lui, zakat al-fitr n'est pas obligatoire. On est tenu de payer zakat al-fitr à toute hôte non désirée que l'on soit chez lui, chez soi, effectivement. Et aussi la veille de la fête de la rupture avant de couper réellement, mes chers frères et sœurs, du soleil, avant de coucher du soleil, au cas où elle a pris une charge, mes chers frères et sœurs, avant le coucher du soleil, quelqu'un vient vous rendre visite. Oui, dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, vous pouvez demander l'autorisation de la personne et payer son zakat al-fitr à sa place si elle accepte, et celui qui l'ont contraint de prendre quelqu'un en charge en réalité. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, le zakat al-fitr qu'on doit donner dans ce cas précis. Et on n'est pas tenu de payer le zakat al-fitr, mes chers frères et sœurs, des hôtes que l'on reçoit chez soi et la veille de la fête, la rupture après le coucher du soleil. Alors, si avant le coucher du soleil, vous avez reçu un étranger, oui, bien sûr, vous devez donner le zakat al-fitr de cet étranger. Mais si vous recevez l'étranger après le coucher du soleil, non, vous n'êtes pas obligé de vous acquitter de la zakat al-fitr de cet étranger-là. Nous avons aussi, mes chers frères, celui pour qui le paiement des zakat al-fitr effectivement est pris en charge par un tiers n'est pas dans l'obligation de la payer. Et effectivement, celui qui n'a pas eu sa zakat al-fitr est pris en charge, donc il n'est pas obligé réellement de payer la zakat al-fitr, mes chers frères et sœurs. Donc, voici
À peu près lorsqu'on veut parler de la zakat al-fitr dans la même direction que les zakat obligatoires au monde de le monde, inshallah mes chers frères et sœurs, et nous allons nous arrêter là pour les zakat al-fitr et nous allons continuer avec un nouveau sujet. Donc nous allons parler des khums. Donc, le Khums dans ce stade, c'est un nouveau sujet, ça n'a rien à voir avec le zakat al-fitr, mais ce sont les mêmes dimensions sociales, économiques, socio-économiques ou réellement de l'islam. Donc, mes chers frères, c'est une des obligations économiques, mes chers frères, c'est incombant aux musulmans et à l'acquisition du Khums, réalité. Et en ce sens-là, qu'on a tenu de certaines circonstances de déduire réellement un cinquième de ses revenus pour les remettre à l'autorité musulman. En réalité, nous avons les bénéfices, les gains, il faut les partager en cinq. Le cinquième doit être donné aux autorités musulmanes qui représentent effectivement l'imam du temps, Sahib al-Zaman, ajalallahu ta'ala, farajahu sharif. Le khums ne doit pas être prélevé sur... doit être prélevé sur cette catégorie des biens. Donc, on doit prélever le khums de quelle catégorie des biens? Il est tout à fait clair, mes chers frères et sœurs, et nous allons vous donner ces catégories, Inch'Allah, l'excédent des revenus annuels. L'excédent des revenus annuels, un revenu annuel, quelqu'un qui travaille, il a un salaire, il a un revenu aussi très compté, il a un budget bien voté. En réalité, celui-là aussi doit donner les zakat de son argent. Le minerai, une source d'or, minerai, nous devons donner, si nous soustirons, on a pu soustraire réellement de l'or, on doit donner les zakat au filtre de ce l'or, de cet or. Les joyaux qu'on tire en plongeant dans la mer, aussi, il y a des trucs, matières aussi très chères que l'on recherche dans la mer et puis se les plonger contre pour chercher et ces matières-là qui sont aussi très chères. Donc nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, le bien licite mélangé au bien illicite. Al-mal al-halal makhlout bimal al-haram. Vous avez c'est mélangé. Vous ne savez pas comment il faut distinguer si cet argent est du bien, cet argent est du mal. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas essayer de distinguer cela. Donc il est demandé de faire la zakat. Enfin, la terre des zimmi achète un musulman, c'est-à-dire qu'un mécréant qui vit sur la terre des musulmans, lorsqu'il achète une terre, il doit donner le khums, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà à peu près les points essentiels et les sept catégories dans les délais duquel nous devons essayer de prélever le khums, mes chers frères et sœurs. Et nous allons continuer dans ce sens. Il est aussi le khums à l'instant du jeûne, de la prière et des obligations incombant à tout individu majeur, Saint-Esprit. Le khums n'est pas aussi, mes chers frères et sœurs, un élément secondaire. Ça intéresse aussi la religion telle que la prière intéresse aussi le musulman, aussi le jeûne du mois de Ramadan. Donc, il doit réellement s'occuper de ça. S'il a les moyens, il remplit réellement les conditions. Donc, mes chers frères et sœurs, il ne faudrait pas aussi négliger le khums parce que le khums évalue en réalité notre foi. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, le khums est imposable sur l'accident de dépenses annuelles dues à l'intention des personnes en charge. Mes chers frères et sœurs, il est important qu'il est impératif de répondre aux deux questions et afin de dissiper tout malentendu, mes chers frères et sœurs, à ce sujet. Et effectivement, quand on entend parler de dépenses annuelles, qu'est-ce qui veut dire réellement dépenses annuelles? Parce que si nous avons de la fortune, il faut essayer d'évaluer la dépense annuelle, essayer de donner le khums. Que veut dire réellement la dépense annuelle que nous allons y revenir, Inch'Allah? Ou aussi, l'année fiscale est-elle lunaire ou solaire? Et quand débute-t-elle? Et nous allons parler aussi parce que c'est lié directement au khums. Donc, nous allons essayer de parler de cette année réellement fiscale. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a des dépenses annuelles. Dépenses annuelles, qu'est-ce qui veut dire? Les dépenses annuelles, honorablement, le travail qui permet aux braves de gagner leur pain, etc., etc. Ils ont un salaire, etc. Et nous avons aussi, ce sont les dépenses réellement évaluées. Si on évalue les dépenses annuelles, le reste qui reste entre nos mains, nous devons essayer de les partager
en deux. Même si nous avons un salaire aussi très garanti, mes chers frères et sœurs, et que nous travaillons d'évaluer les dépenses durant l'année, et ce qui reste entre nos mains comme étant bien les bénéfices du travail que nous avons posé, mes chers frères et sœurs, et on donne en réalité le khoms de cet argent-là. Ce n'est rien d'autre que le cinquième du bénéfice du restant, ce qui reste, mes chers frères et sœurs. Ceci étant, on entend parler de dépenses, toutes les choses dont on a besoin, soi-même ainsi que sa famille, telle que, etc. Si vous avez de l'argent, mes chers frères et sœurs, avant de donner le khoms, il est demandé alors d'évaluer toutes les dépenses annuelles, ce que l'enfant a besoin, l'école, les enfants, la femme, la famille, tout ça, il faut évaluer, soutirer, tirer de khoms, l'argent qui reste, et aussi le reste qui va rester comme étant le bénéfice. Mes chers frères et sœurs, il faut diviser en cinq, et la cinquième partie, donner cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci étant entendu, les dépenses, toutes choses qu'on a besoin, dont on a besoin, mes chers frères et sœurs, soi-même et soi-même ainsi que sa famille, et je vais parler la femme, enfant, etc., et lui-même, donc la nourriture et le vêtement. La nourriture et le vêtement, là, annuellement, vous avez besoin de combien, et vous essayez d'évaluer cela et retrancher de khoms. Nous avons aussi les accessoires des maisons, ce que nous avons besoin dans la maison pour modifier la maison, pour essayer d'embellir la maison, nous avons besoin aussi d'évaluer tout cela, enfin, après, donner le khoms. La dépense due à l'hospitalité. Si quelqu'un a une maladie aussi très continuelle, et donc en réalité, il faut dégager cette dépense-là où quelqu'un est malade, que n'importe quelle. La dépense, par exemple, vous êtes là, cette année, vous allez donner khoms, et que le Seigneur nous épargne, l'enfant tombe malade, hospitalisé, etc., etc., etc. Mes chers frères et sœurs, alors si ça ne vaut pas de l'argent ne vaut pas, il faut mettre réellement à la disposition des enfants afin qu'ils puissent réellement se soigner. Et l'achat des livres utiles, mes chers frères et sœurs, aussi. Et l'achat des dépenses dues aux visites au lieu saint, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi les dépenses dues au prix des cadeaux efforts et des offerts. Et la dépense due à l'aumône et au voto, Inch'Allah, à l'expiation. Mes chers frères et sœurs, voilà à peu près des dépenses annuelles que nous sommes en train de parler. Il y a l'achat des livres, que vous êtes étudiant, vous avez besoin de livres, vous êtes savant, vous avez besoin de livres. Toutes ces dépenses concernant, même les petites dépenses qui ne nous intéressent pas directement, les chaussures, les habits, etc. Lorsque nous soutenons tous leur argent, ce qui va rester, il faut les partager en cinq et donner un khoms. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair, lorsqu'on parle de khoms, arrivé à ce moment, il faut que nous puissions éclaircir ces points, Inch'Allah, sur ce, et nous allons essayer d'y revenir dans la séance prochaine. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.